m'a activé le micro sans faire exprès. Bon, c'est pas grave. Salut Jess, comment vas-tu? Attends, je m'éclaircis la voix. Aïe, 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 aïe. Oh, ça peut aller. Un peu mal au crâne. C'est ça d'avoir passé sa journée en pyjama à jouer à des jeux vidéo. Ben, j'ai mal au crâne, voilà. Je suis fatigué des écrans, mais c'est pas grave, on va continuer. Ah, j'aime pas trop les nouvelles couleurs d'OBS, là. Je sais pas si on pourra les changer. Bon, c'est pas grave. Pour le moment, ça va aller. Bon, alors, ce soir, on reprend Symphony of the Night, Castlevania. Le fameux château à l'envers qui m'avait bien fait rager la semaine dernière. J'espère que ça va s'arranger aujourd'hui. On va bien voir. Ce que je sais, c'est qu'il faut pas que j'aille à droite, à gauche. Il faut que je commence par la droite. Donjon inversé. En plus, je me suis amusé sur Twitter. Quand j'ai tweeté, ben en fait, j'ai mis le tweet à l'envers. J'essaye d'être un original. Bon, on verra si tout marche bien. Alors, j'en étais où? J'étais ici. Donc voilà, ce que j'avais dit, j'avais exploré vite fait la partie qu'on voit qu'il y a une salle de sauvegarde un peu plus haut. J'étais allé jusque là, je suis pas allé plus loin, mais j'ai vu que c'était moins dangereux. Donc je vais rester de ce côté. Ah, puis ça me permet de... Je continue le jeu parce que ça me permet de temporiser parce que je sais pas quoi faire d'autre. Déjà pour mardi et jeudi prochain, j'ai pas trop d'idées. Alors si c'est vrai, j'ai le Lego Harry Potter là, qui était disponible sur le PS Plus que j'ai téléchargé. Peut-être que je peux faire ça à la rigueur. Parce que attends, la semaine prochaine, on est le combien là? On est le 6. Ouais, ok. Ce que je sais, tu n'es pas très fan d'émulateur en plus. Pas que je suis pas fan, c'est que j'en ai pas en vrai. Bon après c'est vrai que si je peux rester au maximum dans la légalité, j'essaye de le faire. Oh putain, c'est quoi cette panthère là? Oh non, un boss! Oh non, 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 je suis pas prêt! C'est Méduse? Ah oui, c'est Méduse. Attends, tu m'avais dit que j'avais un truc pour résister aux...
Oh. Oh, comment ça s'appelle ? À la pétrification, voilà, ça doit être ça. Aïe. C'est bien ce bouclier. Aïe. Ça va rendre le boss dessus plus facile. Voilà, moi j'aime les boss comme ça. Juste avant, j'étais en train de monter une vidéo sur YouTube sur l'évolution des IA dans les jeux vidéo. Bon, on voit que là, à l'époque, c'était pas très évolué. J'y fais pas beaucoup de dégâts, mais je l'aurai à l'usure. Je me demande si en vrai, est-ce que les autres boss ont des astuces comme ça que pour les battre, que je n'aurais jamais trouvé en fait. Le cœur de Vlad. Parce que là c'était ridiculement triste là. C'est quoi cette saleté là? Trop bizarre. Faut arriver à les bloquer dans un coin, c'est plus facile. C'est vrai que... Aïe, je regardais pas. Il y a quelques moments où j'ai réussi à bloquer des boss et à chaque fois, ça a été... triste pour eux. Ça l'a détesté ces machins là. Un truc là-haut? Ah, je croyais. J'ai pas envie de me faire tuer par... Oh, fais chier. Fais le passage en chauve-souris. Ah, pas bête. Ah, ça c'est une bonne chose. Ah.
Oula. Je me demande, je crois que tout en haut il y a une sauvegarde, non? J'aimerais essayer de la trouver. Voilà. Hein. Avant de faire des bêtises. Ah, ils m'ont coincé les enfoirés là. Le jeu. Le son que j'ai payé avec mes points de bonus, ça n'a pas marché. Et merde, je m'en doutais. J'ai fait une mise à jour et ça n'a pas marché. Bouge ta manette, mais je la bouge la manette. Ah, c'est bon. Attends. Déjà. Pourquoi le son n'a pas marché? J'aurais dû vérifier. Bon, écoute, déjà ça. Je sais qu'il y a moyen de rembourser les récompenses, je le ferai. Mais je regarderai pourquoi le son n'a pas marché. C'est bizarre, hein? J'ai fait une mise à jour d'OBS. Et j'ai pas vérifié que tout fonctionnait. J'ai vérifié au maximum, j'ai pas pensé à vérifier les sons. Mais t'inquiète pas, les points je te les rendrai. J'étais persuadé qu'il y avait une sauvegarde dans les parages là. Mag, comment ça va? Je veux sauvegarder, s'il vous plaît. Je déteste ce jeu, il est horrible. Je sais qu'après il va y avoir les grands escaliers là.
Ah mais c'est cette saleté en fait qui me dirige. J'ai fait la fin bonus de SAO aujourd'hui. J'ai vu que tu avais fini le jeu. Je savais même pas que tu continuais à y jouer. Vu que t'arrêtais pas de t'en plaindre. T'es obligé d'aller sur mon chemin, toi ? Évidemment, je tombe pile sur la flèche. Quelles étaient les chances? Franchement, quelles étaient les chances que je tombe pile sur la flèche? Ce jeu est dingue. Mais une épée plus forte. Je l'aime bien mon épée. Ah par contre ce que je voudrais que je fasse c'est mettre une armure plus forte par contre. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle saleté là? Qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'était les Kermax, c'était pas les Kermax que je voulais, moi. Est-ce que je suis bientôt sorti de cet enfer ou pas? Oh oui. Oh, le bonheur. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Pourquoi ce jeu me stresse autant? J'aurais dû continuer Mario. Mario, c'est moins stressant. Hein. Ça a été long, ça a été... Ouais, j'ai trouvé le temps très long. Ah, en fait, j'ai équipé ce bâton, là. C'est celui qui s'augmente avec le bouclier. Je le trouve pas mal.
Ah. Ah. Oh mon Dieu, qu'il est moche. Je crois que je pourrais pas le coincer dans un coin, celui-là. De dégâts, c'est énorme. Je l'aurais pas du premier coup, je pense pas, mais aïe. Je m'en doutais. Je sais pas si c'était une bonne idée de passer par là. Game 64 de dégâts, ça fait beaucoup, hein. Je suis peut-être pas prêt. Surtout avec 360 points, ça veut dire quand il me touche 6 fois, je suis mort en vrai. Bon, il y a plein d'autres zones à explorer. Hein. Et du coup, maintenant que tu as fini Sword Art Online, tu fais quoi? Ah oui, t'es repassé sur Mario, je crois, c'est ça? T'as joué à Mario Sunshine tout à l'heure. Alors des fois, tu traverses des zones immenses sans sauvegarde, et puis là, t'en as deux côte à côte. C'est énervant. Ça a l'air dangereux ce sur quoi je suis là. Il y a les mêmes dans Zelda. Les trucs qui te foncent dessus quand tu te... Quand tu te rapproches. Ah.
Mais moi j'ai joué à Harvestella toute la journée. Il est pas mal, mais bon, c'est... Il est pas ouf quand même, en vrai. Là, je pense qu'il va m'ennuyer aussi rapidement que Soul Aker m'avait ennuyé. Oups. L'essentiel c'est que tu accroches. Oui! Ah, moi, les jeux de ferme comme ça, c'est... je suis addict à ce genre de jeu à la con, là. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Merde. Je suis bête. C'était juste la démo, mais pas de temps limite pour finir le jeu comme conf. Tu confirmes que tu peux prendre ton temps. Franchement, pour le moment, je prends mon temps, ça va. J'ai pas vu de limite, quoi que ce soit. J'en ai vu des gens qui se plaignaient que le jeu, il était pas très beau, que le système de combat n'était pas très abouti. J'ai l'impression que les gars, ils s'attendaient à ce que ce soit un Resident Evil 7-like. Un Final Fantasy 7-like. C'est horrible ces bestioles là. Et en plus il y en a partout. Ils font quoi? Ils se dédoublent? Je piche pas ce qu'ils font. Et en plus, c'est des sacs à PV, quoi. Bon, ils me font pas beaucoup de dégâts, mais... Après, tu sais, par exemple, les... Quoi que tu me diras, Story of Season, c'est pareil. Je veux dire, là, j'ai atteint la fin d'une saison. Et à la fin de la saison, il y a le fameux quiétus qui est apparu, qui va me détruire toutes les récoltes. Mais tu me diras, dans Story of Season, c'était pareil. Hein. Quand t'arrivais à la fin du printemps, ben, les récoltes qui ne poussaient qu'au printemps, forcément, elles disparaissent. Ah, je les reconnais, ces enfoirés, là.
Après, tout ce qui est quête secondaire, c'est un peu bidon, hein. Y a rien de bien folichon. Mais ça va me passer le temps. Ça va me faire patienter jusqu'à Pokémon. C'est très bien. En parlant de Pokémon, c'est un truc de fou. Alors j'ai vu un graphique, je sais pas si c'était mondial ou qu'au Japon. Les ventes, les précommandes du jeu, c'est je crois que c'est 3 ou 400% plus que les deux précédents Pokémon. Ça m'étonne même pas. C'est impressionnant. Ah oui, c'est vrai que le remake de la 4G là, il était pas fou. Mais on est ouais, beaucoup plus que la que l'épée bouclier. Ça va être un truc de folie. C'était là ça avant, ces piliers là ? Je me souviens pas. Eux, je les aime pas. Hein. C'est vrai qu'il faut qu'un coup pour les tuer, mais... Je m'en rappelle plus du tout de cet endroit dans le château original. Ah si, et là je remonte vers la tour de l'horloge. Si si, ça y est, ça me revient. Il y avait les lanceurs de boomerang là dans le coin, je crois. Ou les mecs avec les lances peut-être. Non, pas ces saletés. Je déteste ces machins. Il y avait rien là de toute façon. Ouais. Après, si Castlevania, je le finis pas d'ici dimanche prochain, il y a peu de chance, je le changerai de créneau, je le mettrai mardi. Parce que je veux faire Pokémon le dimanche soir. Et le jeudi soir. Je pense que je vais y passer pas mal de temps sur ce Pokémon. Ça meurt ça ? Je lui fais que un dégât, c'est pas beaucoup. Hein.
très bien ça. Tu me diras mardi prochain, on est à la tour de l'horloge. 85 de dégâts, ça fait beaucoup, hein. Et ils sont nombreux en plus. Je préférais les petits nains finalement. C'est une bonne pièce, ça, hein. Il y a tous les items. C'est quoi ça? Prends le truc pour le temps. Ah ouais? C'est lequel? C'est ça là, non? Ah ouais, c'est ça. Et tu débloques celui de gauche. Ah ouais? Faut que je l'utilise là, c'est ça? Ah ouais, faut le savoir. Si tu le sais pas, ça. Là, je sais qu'il y avait une épée. J'ai fait que un dégât, c'est pas beaucoup. Merci de m'avoir foutu dehors. Putain, c'est l'enfer! Là, il y a un téléporteur, normalement. On va se téléporter quelque part, pas loin d'une sauvegarde.
Normalement, ici, c'est safe. Il n'y a pas d'ennemis, je devrais pas mourir. Et là, il y a des ennemis qui sont apparus et qui me tuent. Non, c'est bon. Ce que je suis pas, c'est que tu as une zone, les ennemis te font un dégât, la zone d'après, ils t'en font 70 de dégâts. C'est incompréhensible. Bon, alors. J'ai envie de continuer à explorer. Où? Tout en haut. Ce qui était l'ancien début du jeu. Voilà, ici. Me revoilà, remag. Qu'est-ce que c'est ce poulet là? Moi, ça me va comme équilibre. 5 de dégâts contre 42. Ça c'est l'équilibre que je veux dans ce jeu. Pas l'inverse. Pas mort trop de fois pendant mon sens? Pas une seule fois. J'étais pas loin, mais j'ai survécu. En fait, alors, attends, il y a ceux qui ont la tête rouge qui envoient vers le bas et ceux qui ont la tête orange qui envoient vers le haut. Mais... Et là, ils font de l'électricité. T'as des ennemis, ils te font 5 de dégâts, et la zone d'après, ils te tuent. Tu sais pas pourquoi. C'est quoi, ça? Oh, il y a deux sauvegardes. 8h de jeu, 8h21. Thank you.
C'est pas que je m'améliore. Je suis toujours au même niveau, c'est juste le jeu qui des fois il est plus dur et des fois non. Sans aucune raison. Jusqu'à présent, les vers, je les croyais inoffensifs, mais en fait, ils tirent des putains de rayons laser. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Tous les passages sont ouverts, non? Et des fois, dans la première partie, il y avait des zones qui étaient bloquées, il fallait faire le tour pour débloquer. Là, j'ai l'impression que tout est ouvert. Hein. Saleté de bestiole. D'exploser. Je crois qu'il y a un truc là. C'est perturbant, l'eau qui tombe vers le haut. Oh putain, il y a des gros poissons. Le bouclier d'Alucard. C'est moi, Alucard. J'en avais déjà un. Résiste à toutes les attaques. Ressemble au bouclier familial. Ah, c'est pas le même. Regarde bien comment c'est écrit. Boucle à le quart. Et l'autre, il y avait marqué quoi? Boucle
Alucard. Ah oui, d'accord. Ah oui, et comme là, l'épée d'Alucard. D'accord, ok. C'est comme Dupont et Dupont. Je sais plus s'il y avait une zone de sauvegarde dans les parages là. $1, ouais. Pourquoi je peux pas passer à travers ? Comment je fais pour y aller dans la pièce alors ? Ça va être un mystère, ça. Donc je me transforme en poisson? J'ai pas vu ce pouvoir. PTGR. Anneau Vlad. Ah oui, d'accord. Cœur de Vlad. Évite malédiction, c'est bien ça aussi. Blesse tous les ennemis. D'accord. Pentagramme. Ah. Moi je pensais PTGR, genre MDR, XPTDR, PTGR. Non, pas elle. Je croyais que ça protégeait de toutes les attaques. Je suis content, j'ai pas sauvegardé de pied. Attends, il y a une arnaque là. Il me restait 75 PV, il m'a fait 62 de dégâts, il me tue. Vous voyez tout ce que je viens de faire? Eh ben c'est comme si ça n'avait jamais existé. Putain de jeu. C'est un coup de tas d'arnaque.
voilà ailleurs. Et là, pareil, comme tout à l'heure, les trolls des grottes, là, je sais pas quoi, ils te font 15 de dégâts, et là, d'un coup, t'en as un, il fait 62 de dégâts, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi il était là. Aucune logique. Ah, je comprends mieux pourquoi il y avait des pics au plafond. Un danseur fantôme. C'est pas vrai, il y en a une infinité. J'étais déjà passé ici. Dans l'ancien. Peut-être. Oh non! Un boss. Une momie! Côte de Vlad. Une côte l'os ou nickel. Franchement, là, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est pas là où il y avait un boss qui m'avait fait bien chier aussi la première fois, il me semble. Hein. Je dis, oh, il est facile, il me fait qu'un dégât, puis finalement, plus ça allait, plus il me défonçait la tronche. Voilà, je suis confiant, je me dis, ah ça va, allez, j'ai pas besoin de vite aller sauvegarder, celui-là je pourrais le refaire sans pleurer. Ah, je les ai oubliés. Yeah.
Oh, il y a encore ces saletés, ça devrait plus exister, ça. Il meurt facilement, là, ou pas? La tête plus facilement que les jambes. Ça dépend, en fait. Donnez-moi de l'XP, donnez-moi de l'XP. Zombie volant. D'accord, je reviens là. Ok. Est-ce que ça m'intéresse d'aller là-bas? Pas trop. J'étais un peu déçu de la Paris Games Week. J'espérais qu'il y aurait des annonces de jeux vidéo. Finalement, il n'y a rien eu. Hein. C'est dommage, non? La Côte d'Alucard. Il n'y en a jamais trop. Non, il n'y a jamais trop d'annonces. Résiste à feu, foudre et glace. Et là, résiste à feu, foudre et glace, point d'interrogation. Quoique. C'est peut-être... comment ça s'appelle ? Pendant les Game Awards, qu'il y a des annonces. Ah, toi, je te cherchais. Donc en décembre, je crois. On va remettre le truc à pic, peut-être. Ouais. Yeah.
Et là, il est 21h10. Il y a toute la zone des du Colisée en plein milieu là. T'as fini par m'avoir enfoiré. Hein. T'es en plein milieu, tu vas me faire chier. Non, c'est bon. Je sais qu'il y avait une salle de sauvegarde dans les parages. Faudrait que je la retrouve. La musique n'est pas du tout oppressante. Putain, un dégât contre 49. C'est abusé. Non, 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 non. Gram. Je commence à en avoir des trucs, hein. Épée nommée Gram. Elle pèse pas lourd. Hein. Attends.
Ah si si si, ça me fait baisser la défense, mais ça augmente quand même pas mal l'attaque. On va voir. J'ai essayé de traverser, non? Non, ça va. C'est quand même des avantages de voler, hein. Je te cherche depuis tout à l'heure, toi. Salut, Minaro, comment ça va? Ça fait un bail? Quoi de neuf depuis le temps? Désolé, je t'avais pas vu, j'étais hyper concentré. Ah, ça va mieux. De suite, je reprends du poil de la bébête. Qu'est-ce qu'il y avait à côté? Ah oui, c'était la salle avec l'escalier, ça. Je vois, je vois, je vois. Bah rien, bah écoute moi non plus. En vrai. C'est la fin des vacances. Enfin, c'est la fin des vacances. Aïe, 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 j'en pouvais plus. Non ! Au secours ! Allez, les gamins, retournez à l'école, arrêtez de gueuler dans la rue, ça fera... C'est mes vacances à moi qui commencent. C'est vous qui avez un boss là? J'ai déjà oublié. C'était tout droit en dessous. Pour JS aussi, c'est la fin des vacances. Les zut. Coincez-moi dans un coin, bande d'enfoirés, je vous dirai rien. Jamais il meurt, lui. Enfin en moins. Elle fait du feu maintenant. Deux en moins. Yeah.
quand même pas perdre contre lui, c'est un minable. Voilà. J'ai gagné, y a plus de musique, encore un boss. Je fais que passer, hein. Oh putain, je veux comment. Ce bol. J'ai utilisé tous mes couteaux presque, mais ce bol. Hop. 21h21, faites un 2. Il reste tellement de choses à faire. Est-ce que c'est pas abusé de mettre autant d'ennemis dans une seule pièce? Franchement. C'est où qu'il y avait un passage? Là-bas. Là, il y a un truc qui descend. Ah, c'est là, d'accord. Ouais. C'est celui à qui je fais qu'un dégât, ça c'est ça. Ils sont deux. Ah, 39. Ah, ok. C'est pas ce que j'espérais. Dessus. Ah, là aussi il y en avait une. C'est elle que je cherchais au tout début en fait. C'est pas l'autre. Est-ce que tu connaissais la saga Castlevania, Minaro? Comme si j'existais pas, je me fais que passer. Calmez-vous, bande de sauvages.
Ah, je l'ai pas vu, il était caché. C'est sadique de faire ça. Cacher les pièges derrière l'élément du décor. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille par là-haut ou est-ce que je vais tout droit ? Je vais pas survivre longtemps ces saletés là. Je me rappelle de ça. Une boule de fer. Je me demande s'il n'y avait pas une sauvegarde dans les parages là. Me semble. Ouais, moi aussi, non ? Ah, voilà. On va continuer à monter du coup. Là, tu vois, où ce qui m'énerve, c'est pour moi, c'est une erreur de level design, c'est que t'es obligé de te... Aïe. C'est des bombes air-sol. C'est que t'es obligé de transformer en chauve-souris à chaque fois parce que le double saut n'est pas suffisant. Ticket repart. Ticket repart. Je sais plus à quoi ça sert. J'en avais déjà trouvé des tickets repart, je crois.
Vous pouvez pas faire autrement. Bah si, vous pouvez. Vous pouvez réfléchir un peu plus. Ah, je suis de mauvaise foi. Ah, encore. Des cacahuètes. C'est pas là où il y avait le cauchemar, ça? Si, c'était ça, c'était le cauchemar. Que j'ai tant galéré à trouver la dernière fois. Mais au moins, la carte, elle est quand même beaucoup plus lisible que dans Hollow Knight. Dans Hollow Knight, des fois, là, tu vois bien quand il y a une porte qui est ouverte, quand tu vois bien les chemins. Que dans Hollow Knight, des fois, tu zoomais sur la carte, tu suivais tous les traits un par un pour te dire « Est-ce que là, c'est un passage ou pas ?» Tu sais pas. Pas de nouvelles d'ailleurs de Silksong. C'était horrible la carte. Ah, elle était pas mal, mais elle aidait pas toujours. Là c'est pareil du coup, faut... Oui. C'était pas ce à quoi je pensais, mais... ça a marché. Ah! Le combat contre Dark Alucard. Je suis lequel? C'est moi? Merde, c'est moi qui suis mort. Utilise ton pouvoir, lequel? Ah, j'avais commencé à comprendre son pattern, mais je me suis foiré. ~150%, c'est pas mal, la croix. C'était où? C'était plus haut? Oui, c'était plus haut, c'était avant la glace. Le truc, c'est que la croix, je pouvais plus l'utiliser parce que je l'avais utilisée sans faire exprès sur ça, là. Maintenant que je l'ai, je vais la garder.
Bien sur l'attaque, pourquoi j'arrive pas à la faire moi l'attaque de l'aigle là? Ah c'est pas juste! Pourquoi il a plus de PV que moi? Difficile à manger une cacahuète. Non. Peut-être à la rigueur essayer d'y revenir quand j'aurai plus de cœur. L'ennui, c'est que je sais pas, voilà l'objet, la petite cœur là, la croix, je sais pas combien elle consomme de cœur. Non mais ça descend encore là. À chaque fois, je vais tomber dessus. Hein. C'est bizarre, la pièce elle reste noire. Un diamant. Diamant d'innocence.
Ah, maintenant elle est bleue. Faut remonter tout là-haut. Bon, on y va. Hein. Ce qui est con, c'est que autant les cœurs et la vie, ça se vide vite, autant la jauge pour être un chauve-souris, j'ai de la marge. Bon, c'est vrai qu'en brume, ça consomme plus vite, mais bon. J'ai pas une arme qui fait plus de dégâts en vrai. Épée de bourreau empoisonnée. Sa force grandit au fil du jeu. Bâton béni. Lamberge. Allez, on teste. Oh, la cape, ça influe sur la couleur des ailes de la chauve-souris. Pour moi, je me confonds plus avec l'autre. C'est moi qui est empoisonné, en fait chaque fois que je prends un dégât, je me fais empoisonner. Fait beaucoup moins de dégâts tout à l'heure en tout cas. Ah,
Voilà. Qui est qui? Team rouge. Pour une fois, j'ai gagné. Et j'ai même pas utilisé le pouvoir. Je m'en suis mieux sorti que tout à l'heure. Tu étais en haut. Non, pas encore. Je vais finir d'explorer ce coin-là et après j'irai. Ou après j'irai me coucher, peut-être il est tard. Hein. La lame noire. Épée forgée par des elfes. Diminue un peu l'attaque, mais augmente la défense. Voilà, voilà. Non, pas toi. Je les déteste. Mourez, bande de femmes plantes détestables. Oh, il nage. Non, il nage que deux fois. Ça servait à rien, mais j'ai réussi.
C'est les dégâts subis ou c'est les dégâts que j'inflige qui se transforment en cœur? Subis apparemment. Batman, la force d'écho. C'est une relique, ça, non? Force d'écho, attaque avec des ondes radar. D'accord. C'est quoi ces ennemis qui te foncent dessus? C'est détestable. Faut pas rester à leur place. Je sais pas, je joue en défense, merde. Vous mourrez en un seul coup. Au moins. Tu vois, ça s'est mieux passé que dimanche dernier, hein. Juste que dimanche dernier, bah déjà, il y avait le changement d'horaire qui m'avait bien crevé. Et j'étais parti du mauvais côté. Surtout ça. Mais c'est inesquivable, ça. Tu peux pas t'approcher d'elle, en vrai. Je t'ai pas entendu râler, c'est triste. Oh, ça va. T'as qu'à regarder le replay de la semaine dernière. C'était pas le premier boss, ça? Si, c'était le tout premier boss du jeu, lui. Qu'est-ce qu'elle a, cette lampe? Pourquoi je peux pas la m'approcher? J'ai tout cassé.
tu le bats en deux coups maintenant, ouais. J'ai pas du tout l'arme adaptée pour ce... pour ça. À travers. Je sais pas ce qui m'arrivait tout à l'heure. Oh non! La mort. So you've made it this far. Alors tu es finalement arrivé jusqu'ici, au nom de ton père. Arrête cette folie. Not while there is breath in my body. Pas tant qu'il me restera un souffle de vie. I'll feast on your soul this night. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va. J'aime pas ces têtes de mort là. Je finis ce stream sur une victoire contre la mort elle-même. J'ai un œil de Vlad, mais il est en morceaux ce pauvre Vlad. D'ailleurs, il ne me manque plus qu'un objet, c'est ça? 1, 2, 3, 4. GG, merci beaucoup, je vais aller sauvegarder et on va s'arrêter. Soit je fais le jeu dans un ordre que je ne pige pas. Soit il est vraiment totalement déséquilibré. T'as vu, des fois je me fais tuer par des monstres lambda. Et il y a des boss, je les tue, je fais passer un one shoot. C'est vraiment bizarre. Il y a des trucs que je pige pas toujours. Bref. Bon, il va falloir que je trouve quoi faire pour la semaine prochaine. Au moins mardi, je pense que jeudi, je vais refaire un coup de d'Harvestella. Même si j'ai pas mal avancé dans le jeu, vous en verrez un peu plus. Samedi, ça sera toujours Mario Odyssey. Et dimanche prochain, toujours Castlevania, on continuera cette partie-là. Sur ce, Jess, Mag, merci de m'avoir d'avoir passé la soirée avec moi. Je vous dis bonne nuit, bonne reprise pour ceux qui bossent. Je sais pas si, Mag, tu as retrouvé du boulot. Sinon, et Minaro, ouais, je crois qu'il est parti, non? Je sais pas. Sinon, bonne nuit à Minaro, à toi aussi. Voilà. Moi, demain, repos, encore une fois. Vive les lundis en RTT. Allez, à la prochaine. Ciao. Ah, j'ai mal aux oreilles. Saleté de casque. Va falloir que je trouve une solution. Hein. Et que je répare aussi ce problème de son.